C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver face à vous afin de partager avec vous cette merveille qui a été découverte. Et pour cela, je bénis le nom du Tout-Puissant grâce à qui nous avons toutes ces vertus-là qui nous entourent dans la nature. Et je prie que le Seigneur puisse apporter dans la vie de tout et chacun de vous sa grâce et sa bénédiction. Cette plante dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de 7 à 8 mètres de hauteur, est en même de traiter des maladies comme le kyste, le myome fibrome, des infections urogénitales, le surménage, la virilité, la fatigue, les problèmes d'yeux, les problèmes de peau, les problèmes liés au sang, et la drépanocytose. De quelle plante est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du Phagara xanthocyloïde comme nom scientifique et en français simple on l'appelle Phagara. En langue fon du Bénin ou du Minas, on parlera du Khéti. Vous avez sûrement l'image qui est en train de défiler pour vous permettre d'avoir une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à réciter ou à vous donner toutes les recettes liées aux différentes maladies que cette merveille est en même de traiter. Mais néanmoins, je vous demanderai pour ceux qui se retrouvaient dans quelconque maladie que ce soit, de me laisser un commentaire afin que je puisse lui apporter une recette liée au mal dont il souffre à partir de cette merveille qu'est le Phagara xanthocyloïde. Et comme bonus aujourd'hui, je voudrais donner une recette pour toute personne qui souffrait de drépanocytose, des crises de drépanocytose, car cela a été le but de ma recherche de ce jour. De quoi est-ce que vous aurez besoin ou bien comment est-ce que vous préparez le Phagara pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir traiter les crises liées aux drépanocytoses? Je vous donnerai deux différentes préparations, dont la première. Pour une préparation par rapport au mal lié à la drépanocytose, vous aurez besoin uniquement des racines du Phagara à raison de 100 grammes pour 100 ml d'eau que vous laissez macérer pendant 24 heures. Et comme posologie, vous n'aurez qu'à prendre 5 ml de cette potion matin, midi et soir jusqu'à satisfaction. Comme deuxième préparation, il vous suffirait toujours d'utiliser cette même racine, mais cette fois-ci, d'utiliser l'écorce de la racine, de la rendre en poudre véritablement fine et vous utilisez 1 g de cette poudre comme posologie matin, midi et soir jusqu'à satisfaction. Donc c'était la recette que j'ai bien voulu partager aujourd'hui avec vous par rapport à cette merveille qu'est le Phagara. Je vous laisserai en description toutes les différentes sources vous permettant de faire aussi des recherches par rapport aux vertus de cette merveille. Et n'oubliez pas de partager pour permettre à un bon nombre de personnes de pouvoir profiter de cette merveille, de l'aimer et de vous abonner en activant la cloche de notification afin de recevoir encore, encore et encore de nouvelles vidéos venant de la nature. C'était Patrick Mpati, naturothérapeute. Je vous remercie.